Tonton Bichat toujours sous pique, si tout n'a causé qui gagne à ouais à transfert l'argent. C'est peut-être ça, grand monde a utilisé Sendwave, li facile, abordable, rapide et li très sécurisé. Moi, j'aime voyer comme tourner la caille à travers Sendwave. Sendwave rend li plus pratique pour tout le monde en Haïti qui a recevoir l'argent. L'argent cash dans une transfert pick-up ou soit recevoir l'argent sous mon cash et l'agir. Avec Sendwave, moi, j'ai envoyé dollars américains direct sur compte la banque. Téléchargez Sendwave, jodi à même, en pays. Partagez l'amour. Ok. Haïti, sécurité. Définitivement, Ariel Henry compte sur l'armée pour démanteler les gangs en Haïti. Madame, monsieur, suivez l'analyse ça bien. Comme on dit le matin débat, ce n'est pas nouvelle, nous baille, c'est pas information que nous baille. Seulement, nous plus analyser. Je dis à moun qui a posé question, moun qui a passé la messe à nan tintin yo, je dis à li clair, li officiellement reconnu que pays a reconnaître la mer. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Donc la mer a gagné confiance gouvernement. Quel soit adjectif ou kamite de non, la mer tout pour non, je dis à pas ce tact. Oui. Alors il c'est premier ministre pays gouvernement, l'état gouvernement qui là. Gouvernement qui l'a, la poche la mer pour démanteler les gangs. Ça dit que officiellement, pays a reconnaître que l'existence de cette armée. Et là, il vient confirmer et Louko, l'analyse que nous avons fait dans la question police et l'armée et par rapport à la position PM. Bien. On rappelle ce qui est passé, que les blouses a été pété dans les portes là. Et que nous avons dit que jeudi, l'armée a gagné toute confiance PM. Correct. Par rapport à la sécurité. Par rapport à la sécurité. Donc ça vient tout simplement confirmer ça que nous avons dit. Je dis à, il y a un fait choix. C'est la MEA. Donc il y a toute confiance là-dedans. Il décide pour l'avancer. Donc pays à Jodia. Ok, je crois que débat ça a fini. Débat ça a fini dans le pays. Et que Haïti va gagner l'armée. Haïti a gagné l'armée. Ok. Et c'est l'armée ça que le premier ministre qui l'a connu là, compté sur lui pour aller démanteler les gangs. Maintenant, ça pour nous comprendre. Ça pour nous comprendre. Ça pour nous comprendre. Moun qui avec PM non. Puis faut là de haut en face Jovenel Moïse. Puis ont empêché le monter l'armée. Remobiliser force armée. Et ont critiqué l'ambile parce que il était remobiliser l'armée. Pas dégoût même une cellule de renseignement. OK. Là de mettre sous pied. Mais on courir de monsieur. Yo courir de Jovenel Moïse et c'est même moun ça aujourd'hui. Et c'est même moun ça aujourd'hui avec Ariel Henry. Et yo terrible l'armée avec Jovenel. Qui sollicite aide l'armée pour démanteler gang dans pays. Ah oui bah pour connaître. Monsieur on avance dedans. Ah oui bah pour connaître. OK. Ok? Deuxième bagaille pour nous connaître. Équipe monsieur qui avec PM Ariel Henry aujourd'hui là, c'est yon tout qui est en face de Jovenel Moïse qui te dit peuple là, casse puce là qui est en 4 de malog là. Oui, oui, oui. Et yon tout qui est 4 là aujourd'hui. Et yon tout qui est 4 là aujourd'hui dans le yo. Et je dis à mes peuples à Kounia qui n'ont nécessité de capter ces 4 démalogues pour leur faire passeport parce qu'ils ont besoin de quitter le pays. Mounia qui quitte le pays là grâce à 4 démalogues. Comment bien? Elles ont gagné 4 démalogues. Okay. Donc là, c'est pour mes parties analyse. Là, nous me faisons parler avec Clarence Junois. Qui des fois appelle ceux qui sont hélicoptères. Nous faisons parler avec lui. Et bien sûr, nous avons tourné avec reste analyse en pensant qui. Extrêmement important. Rappel historique ça au bon. Non, demande ça quoi ouais que jodi a PM n'a fait. PM Ariel Henry fait, lui mander la meilleur ballon coup de main pour capable de démanteler gang yo. Monsieur Ono, bonjour, bienvenue à l'émission Antenne Débat, comment nous? OK monsieur, son plaisir pour me saluer nous et pour me saluer tout le monde capitaine des matin débat et pour m'avec tout pour me prendre question. Non, excusez-moi est-ce que l'autre jour t'ai passé relé moi pas trouvé ça, mais m'étais ouais ça en retard, donc m'excusez-moi vraiment et je vous dis à ma disposition, nous pouvons causer. Très bien, ok. À qui pour vous? Vous connaissez que vous avez fait une demande, vous avez fait un appel à la nation. À qui pour vous, je vous dis à Clarence Junois?
Ok, alors, à qui premier, nous, encore en phase, nous avons dit de mise en œuvre, de commencement mise en œuvre et l'idée. Donc, l'idée qui commençait, nous avons dit, jouer des réactions très positives et que, souhait moi, c'est que ces populations qui approprient l'idée et c'est de lui-même pas. Parce que son idée que nous émettons nous-mêmes, nous pas gagner une structure officielle là, mais nous pouvons faire quoi que ce soit. Mais nous pensons que si population haïtienne, là, qui sont populations très solidaires, ils ont montré dans l'occasion déjà, est capable et fait même geste de solidarité ça pour protéger pour peut-être pas l'enfant. Nous pensons que c'est le meilleur moyen pour ça fait parce que Louko et nous connaît que gagnent l'histoire rappelez-nous qui ça haïtien fait pour notre peuple après que nous prenions l'indépendance nous aider en 1806-1811 nous aider pays Amérique latine là la grande Colombie Panama Venezuela etc nous aider nous avons nous avons au manger nous avons au bateau et Haïti aidé par exemple en 1950-53 la guerre du Corée et Haïti a 50 000 $ comme contribution pour effort de guerre pour Corée après l'indépendance lui donc nous mêmes avec tête talent tout on capable faire des gestes pour sécurité donc c'est ça l'idée c'est que Haïti et haïtien yo dit yo et force de sécurité nous avons des problèmes, nous manquons d'équipement. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables, dans mesure du possible, dans ça nous capables, ça nous capables comme contribution, et nous capables de nous acheter des équipements. Maintenant, défi à télan, c'est surtout à mon qui est plus comme yo. Mais ça m'a remarqué, c'est que monde qui parle comme tout dit qu'ils ont envie de participer là-dedans. Alors, dans l'analyse de faire ici, dans l'émission de débat, dans ta panel de questions, vous connaissez que le monde n'a pas qui est plus comme yo, même tout. Yo impliqué dans ça qui passe dans pays là. Est-ce que je dois parler de nous que moun zao même encore va mettre cob pour et pour changer ça qui là comme situation qui bon pour yo qui n'a intérêt déjà. Alors, son belle question que lié son c'est pas au même seul qui pose une question ça, il y a pile monde qui soulève question ça. Maintenant, l'homme on a baillé dans l'anonymat avant qui est-ce qu'a baillé. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre monde qui effectivement t'a bénéficié de bagaille ça qui trouvait que bon, là arrivé trop loin. Et c'est le capable d'avoir un coup de bien pour camper ça, la faire. La deuxième chose, moi, je crois tout, non, ça me t'a et rémission des péchés. Bon, moun, qui te doit effectivement dans le bagage, dit mon cher, bah, là, il est trop loin, pas bon. Et si je suis une contribution ouverte et qui va pouvoir contribuer, ça me fait avant, bon, faire. Très bien. Et ni pas, on va devenir un bel là, dans le bout, il faut me continuer dans ce mal-là. Parce que ce mal-là, il n'est pas bon pour le peuple-là, il n'est pas bon pour vous, tout quelque part. Même si on bénéficie là-dedans, mais image que. Ou voyez le pays ou là à l'étranger. Image personnelle ou tout qui dégrade complètement. Lorsque il y a des pays étrangers qui ont pris une sanction contre mon lieu de Bounsaïo, qui a financé gang, Bounsaïo a fait, qui a financé activité illégale. Donc, ou une image personnelle tout qui dégrade, qu'on mérite réparer. Mais troisième dimension question, Louko, et monsieur, mais Samuel Adan. Moi, ouais que nous avons une situation extrêmement grave. Au côté, population pas qu'à vivre. Moun pa ka sikule, ou pa konn ki lè pou soti bonheur, ki lè trop bonheur, ni ki lè trop tard pou pa soti. Donc, y gen problème, la di ke pa gen vie scolaire, pa gen vie culturelle, pa gen vie ekonomik. Parce que route nou, national nou yo, ki se principal, la kapab di, et avenue pou komès nou sikule, se boulevard kote pou komès machan moun passe, moun voyage, avec machan d'usine, vende nan machan, etc. Tout ba sa ou bloke. Nou non situation de guerre, ki pa di non lè. Donc, face à ça, il faut nous garder qui ça nous capable de faire. Donc, pour moi-même, l'autre dimension que le lien, hein, c'est la dimension prend responsabilité nous en tant que peuple. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tout le temps demander étrangers, viennent faire pour nous, et tant pis, vous voyez, faire intervention. Le premier ministre écrit en octobre, il dit, vous voyez, aux forces internationales venir. Il va jamais m'occuper depuis octobre, 6 mois passés. Donc, je pense que, il est le temps, le peuple haïtien prend le destin en main, nous prend les dispositions pour nous dire, eh bien, nous faisons contribution. Nous avons autorité au COBLA, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons acheté des hélicoptères ou des chars à l'étranger, dans des mondes civils. L'agence a, ou remettre à ministère des Finances, et bien, on dit, mes amis, mais contribution nationale à un effort qui mérite de faire comme garde bien sécurité, au lieu que nous tapons que l'étranger venu, et l'étranger n'a pas survenu, il n'a pas voulu venir. Notre jour, le Premier ministre canadien répétait encore, il n'y a pas d'intention militaire en Haïti. Très bien, ok. Maintenant, l'idée est lancée. Mais le mécanisme pour collecter l'argent, c'est quoi? Ok. Le mécanisme est en marche. Nous avons collecté pièces sur le météo ensemble.
mais pas autorisé qu'on y a là non mais non monde qui d'accord pour faire partie comité qui pral le spectacle. OK. Pral dit OK, yo d'accord, yo ba non yo ba figure. Et là j'ai pas le souvent non mais non, c'est des comptes bancaires qui pral ouvrir sous nom ou fondation. Fondation ça pral recueillir l'argent. Monde qui dans comité ou pral a bien contrôle ça qui passer dans banque son de toute façon c'est dans banque lié. C'est banque nationale on a compte qui monte là-dedans et puis le arrivé l'agence arrive à le retirer de manière transparente et puis remettre lui à autorité comme dit ou Louko à côté de comité ça moi regardez mon en province qui lui qui dit ouvrir la commune côté OEA du capable faire un bagarre comme ça tout pour cependant capable bien des autres dans les chaque nègre dans les fonds bagarre et puis c'est là pas la publier on bagarre là au fait dans le sens du sérieux comme dirait l'autre notre confrère et bon Dieu. Pour le faire dans le sens du sérieux, et s'il a fait vraiment, dans aussi de manière éclatée. De manière éclatée. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui n'ont quartier, par exemple, Port-au-Prince ou dans la province, qui dit, eh bien, on cotise nous-mêmes pour nous porter comme contribution dans cette affaire-là. Eh bien, il faut qu'effectivement, les gens s'apprennent comme là, le déposer dans la compte-là, vraiment. Matin, il y a un directeur de l'école qui contacte, qui dit, il va solliciter étudiants Lyon. L'école et son faculté. Il va solliciter, alors privé, il va solliciter étudiants Lyon. Lui-même, tout le monde contribue à la baille, mais il va demander étudiants Lyon, bon cagnotte, bon boîte, mettez ça nous remettre pour nous voir Port-au-Prince, dans l'autorité Lyon, dans le cadre de solidarité nationale pour sécurité. Ça, c'est des bagages extrêmement intéressants que nous avons besoin de ressusciter la carte haïtienne, sentiment d'appartenance, sentiment d'un corps social qui unit, sentiment d'appartenance à un pays et d'être sensible aussi à ce qui a passé dans le pays, pour nous dire, nous a retiré. Maintenant, il n'y a pas aucune prétention politique derrière lui, son bagage qui est purement citoyen. Là, on a cherché comme quoi, M. Clarentino? Mon cher, je ne sais pas, mais je ne sais pas, ça passe tellement bien, il est naturel des mouns. Le premier jour, je lance les bagages, je me dis crime, je dis que je cherche quelque chose côté où vendre matériel, je dis a besoin de 13 millions de dollars pour nous capables d'avoir un hélicoptère et char. En plus à ça et la police guerre. OK, parfait. C'est-à-dire que nous capables de mettre 13 millions de dollars là comme un chiffre que nous sommes capables de tenir intéressant. 13 millions. Deux okay. informations à bord dans Haïti débat. Extrêmement intéressant toujours. Dans le lendemain matin débat. Il y a un monde qui est là, mon n'a dit pas le même. Il dit lui-même il parlait avec groupe Bal et avec groupe Zon Michel Guerin qui dans les affaires puis rassembler un corps pour bail. Cependant, il va le bail comme ça dans l'anonymat. Parce qu'il va avoir les météos face à des mouns qui prennent les météos comme cible. Donc, il y a une volonté, il y a un désir pour bagarre la fête. Et donc, je pense que son bagarre va commencer et public bientôt dans la structure que nous mettons en place, dans le mécanisme que nous commençons à mettre en place là pour que chaque monde qui veut dans la contribution, quelle que soit votre contribution, hein, c'est pas là, mais on va le bagarre, il va le faire la même. C'est son compte bancaire, c'est son cash qu'on va le déposer pour qu'on va faire le travail que nous avons souhaité faire. On nous dit que là, tout le bagage, ok, nous avons 13 millions de dollars. Je dis à nous avons 4 hélicoptères de combat, nous avons 10 chars blindés. Ok, qui est-ce qui parle responsable de l'équipement? Est-ce que c'est des équipements que nous allons remettre encore à la police nationale d'Haïti ou du moins c'est un autre groupe de monde qui a géré? Ou bien l'armée? C'est les forces publiques de sécurité qui viennent, doivent seulement pour utiliser des armes de guerre. Et même si je veux dire, dans une situation où il y a des jeunes garçons qui n'ont pas utilisé des armes de guerre, mais en réalité, la force publique, c'est la force institutionnellement reconnue, constitutionnellement reconnue, qui doit utiliser ça. Et maintenant, ce n'est pas nous parler de faire acquisition, mais hein, pour remettre dans l'esprit pour faire acquisition, sa population en main dit, pour faire acquisition en main, ça a l'argent capable de faire tout. C'est au compte qui paye au calache, c'est au compte qui m'a fait une livraison à temps et dans bonnes conditions. Ça dépend de l'État, nous. Et là, tant qu'on te mette dans le truc là, il faut qu'on fait exigence qu'on y a à l'État, une fois que le matériel ça va la même, pour la sécurité dans le pays, pour ne pas venir prétexte que le matériel la même. Très bien, ok. Alors, belle initiative. Belle initiative. Les États-Unis d'Amérique, toujours qu'on prend quoi, nous rappelez-nous. Hein? Même le. De l'hypocrisie de l'Amérique, des Américains, qui toujours avouent le secrétaire d'État défense pays, et puis le camp en quoi, il dit que c'est la police qu'il faut collaborer avec la police, qu'il faut y a pousser la police, il a aider la police. Mais il n'y a pas tout archive là, mais d'Haïti, il y a un Américain. Ok? Nous rappelons-nous, en 1994, ce qui a été fait. Donc, il a démobilisé l'armée en face
en face dans le pays là. Maintenant on y a là, jodi a là monsieur Karens. Est-ce que ou pas craindre que les États-Unis d'Amérique campent quoi contre un projet pareil? Alors, bonne de considération me fait de manière très personnelle, je suis capable de tromper là-dedans, mais nous telle son analyse qui est basée sur plusieurs facteurs. L'armée d'Haïti, le gain 8000 moun là-dedans en nous retourner en 1990-91 avant que en 94 je vienne démanteler le démobiliser. Le gain 8000 moun là-dedans là, faut nous connaître que gain pile fois bottes, uniformes, l'autre équipement, la bien américaine qui qu'on a fait Haïti cadeau. Mais songeons le non secrétaire d'État américain s'est oublié qui débarque dans Port-au-Prince avec un paquet de matériel et apparemment il était semblé matériel deuxième mais excusez-moi que nous avons ça c'est bien sûr mais à l'époque nous songeons critique la table dit ça le petit matériel ça pour la médaille là la médaille ici c'est la médaille ici mais quelque part il était sous compte et les États-Unis tout n'a rien et c'est pas seul secteur non nous dépendons des États-Unis nous prenons les États-Unis comme exemple mais mes amis non pile fois que ce soit dans le domaine de santé le problème manger, le problème l'hôpital. Nous dépendons trop de l'autre pays. Il faut nous commencer à faire effort pour cette année. Moi, je pense que si les États-Unis ou n'importe quel autre pays, le peuple haïtien prend en considération l'armée, il met le sous-pied, il équipe, il ne va pas demander mon aucun restant, ni bottes, ni uniforme, ni matériel, la dégager la salle, je pense que la perspective ça. Nous sommes pays souverain, ouais. Mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui sont tellement soumis qui ont demandé permission à chaque fois après comme action pour les poser dans le pays. Et moi, dirigeant sous-sous, Et bien. Quelque soit disposition que vous prenez pour demander est-ce que vous me faites, est-ce que vous êtes d'accord que vous me faites. Et nous ne croyons pas que c'est comme ça le pays. C'est encore là l'importance question. Le 27 février, la République dominicaine va nous, les 7 liens, les 7 nationales liens. Démonstration, drone, toute qualité d'équipement militaire, pour qui ça? Je vais pas dire un drone. Mais parce que, yo entendu yo la caillou, yo résout des problèmes de conflit interne yo ka gagné, yo dit pas que yo gon l'armée. Pour l'armée pour qui est? C'est pas pour la envahir aucun notre pays, il connaît pas qu'on envahir aucun notre pays là. Mais l'IEL en dans la caillou parce que l'armée fait partie d'un état. Pas gon l'état pas gagné l'armée la caillou. Même la Suisse gagné l'armée, même le Vatican gagné l'armée. Pas blague l'armée. Alors vous voyez pas gagné l'armée. C'est clair. Non mais faut être sérieux. Donc, moi, je pense que le jour où nous prenons droit dans le monde, les États-Unis ne sont pas opposés au fait que nous avons l'armée. Ouais, maintenant, il faut nous entrer dans la doctrine de l'armée. Qui ça, l'armée, va gagner comme travail pour le faire? Est-ce que son armée coup d'État encore? Est-ce que son armée peut entrer dans le trafic de drogue? Est-ce que son armée peut entrer dans toute qualité de trafic qui gagne? Alors là, si c'est son armée gagner, vous constituez un problème, non seulement pour votre pays pauvre, mais pour pays voisins en l'autre. Donc, il faut que nous créions discipline dans l'institution ça. Qui sont institutions qui doivent être institutions prestigieuses, qui pour exister, pour venir en aide à la population, à la population de aide dans le mouvement catastrophe naturelle, mais pour venir tout en aide à l'autre corps de sécurité civile pour la police nationale, lorsque la situation arrive au point de pourriture, j'en arrive, je ne vous dis là, excusez l'expression, hein, mais c'est dans ça nous là. Merci en pile, monsieur Clarence Gounon, merci en pile. Mon cher Loukou, merci, son plaisir de parler avec nous, monsieur, bon travail et à la prochaine. Merci en pile, à la prochaine. Ok, bon, voilà. Ça c'était donc Clarence Gounon qui a une proposition lui-même donc sous table là. Ou c'est un monde qui prudent, ou c'est un monde qui prévoyant, ou c'est un monde qui marche sous 13 pour pas piler 14 dans États-Unis, ou c'est un monde qui t'a remis fait un pile propre dans taxe année ça, ou c'est un monde tout qui pas vle dans problème avec tonton Sam. Référence là par l'autre qui est Olivier Pierre. Olivier Pierre qui plusieurs l'année l'a servi communauté à dans question rempli taxe. Le rempli taxe avec Olivier Pierre, ou jouer maximum refund ou t'as supposé jouer sans que ou pas besoin paniquer pour problème audit ARS. C'est tout client yo qui a témoigné de bons services yo jouer chaque année. Année nommé Olivier Pierre. Rélez Olivier Pierre, jeudi à même pour mettre rendez-vous pour là. Dans 954-328-74-99. Ou bien, visitez l'adresse libre qui c'est 750 East, Saint-Paul, Building 3, 240, Pompano Beach, Florida, 33064. Checkez Olivier Poutate pour le bonheur maximum return que nous supposons gagner. Avec Olivier Pierre, tout problème taxe résout.